Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à My Little Pony donc sur Windows 10 sur le marché Xbox, voilà. Donc pour ceux qui veulent le télécharger aussi, hein, pourquoi pas, on sait jamais. Voilà, donc du coup on va voir ça et ça. Et oui, et regardez, on est à 12 677. Attention, combien on va être? 14 590. Vous imaginez un peu le délire? Énorme, énorme. Voilà, donc du coup, hop, on va se faire un peu de ballon. Ça prend 2 secondes, on va s'éclater un peu. Voilà, donc du coup, hop, on pète tout ça. Bon, on a eu quand même ça là, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, c'est assez compliqué de tout péter les ballons, c'est chaud quoi. Alors là, vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi il te reste 0 gemme? C'est quoi ce délire? T'as fait quoi là? T'as foutu le bordel? Eh ben en fait, non, c'est pas ça que j'ai acheté, hein. Ça, je l'ai gagné. En faisant les danses et tout, j'ai gagné une marque comme ça. Enfin bon, truc tout pourri quoi. Mais j'ai eu autre chose. Et j'ai eu ça. Ah oui, Rarity. Bah tu vois, même moi je me souvenais plus que c'était Rarity. Donc j'ai acheté Rarity pour 25 gemmes. Voilà, c'est compliqué à parler. Donc 25 gemmes. Et du coup, j'ai pu avoir Rarity. Donc c'est plutôt quand même badass. Voilà, donc c'est plutôt pas mal d'avoir Rarity avec nous. Voilà, donc ok, voilà, donc bah, du coup ça fait une habitante en plus, ce qui est plutôt pas mal pour nos affaires. Donc du coup, alors on va voir un peu. Ok, ouais, non, ça, j'en fous. Ouais, ah là ça peut être ça. Bah non, ça change rien. Quelle dommagitude. Ouais, bon. Bah putain, je peux la mettre où? Moi, je peux la mettre nulle part, quoi. C'est un truc de fou. Je peux la mettre nulle part. Ouais, je peux vraiment la mettre nulle part, quoi. Bon, bah, c'est dommage. Je peux la mettre nulle part, de chez nulle part. Je peux même pas dire, tiens, lui, je le mets là. Parce que je peux pas. Je peux pas, c'est impossible. Si je le mets ailleurs. Non, elle est même pas à 2. Faudrait quelqu'un qui soit... Attends, peut-être que... Ah non, il en faut 2 là, putain, dommage. Il aurait fallu qu'une seule étoile ici, là, ça aurait été magnifique. Malheureusement, il en faut 2. Et ouais, donc, on est dans la merde. Attends, lâche-moi, voilà, merci. Hop, prends ça. Alors juste là... Ouais, ici, il en faut 1, mais bon, le mec, il en a déjà 1, quoi. C'est un peu con. Bon, bah, c'est pas grave. On peut pas encore utiliser Rarity, c'est pas grave. C'est pas très grave. Petit à petit, on augmentera et puis on pourra utiliser Rarity. Donc ce qu'on va se faire, on va se faire 2-3 mini-jeux à la limite. Attends, déjà on va aller à l'Equestria, je vais voir un peu comment ça se passe. Ok, donc hop. Ouais. Mais de toute façon, je m'en fous un peu. Alors donc, j'ai toujours pas de... Toujours pas de restaurant ou quoi que ce soit. Tiens, on va voir un peu ce qu'il y a. Tiens, qu'est-ce qu'il me dit là? Attends. Ah ouais, ça, ok. Elle me dit quoi? Ouais, bah je peux toujours pas la mettre dans une boutique. J'ai pas de boutique. Ça, je peux pas toujours... Enfin, toujours... Je peux pas acheter les boutiques parce que j'ai pas assez. Fais en sorte que... Ah, ça, par contre, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Ça sera déjà un peu plus simple à faire. Donc, souhaite la bienvenue à Sunset Shimmer. Alors, si je me rappelle bien, il faut 50 gemmes pour l'acheter. Ça fait mal au cul. Alors, déblayer 3 items, ça je peux pas encore. Achète une pizzeria. Et je peux pas encore acheter la pizzeria. Donc, il faudra. Pour Equestria, la prochaine truc qu'il faudra acheter, c'est une pizzeria qui coûte quand même 40 000 pièces. Bah, on les a pas d'ici. Enfin, on les a pas avant un petit moment, quoi. Donc, du coup, ce qu'on va faire. Donc, c'est qui? Attends. Je vais voir parce que. Pour être sûr, quand même. Fais en sorte que toi être Velvet, ok, d'accord. Donc elle, on doit la faire passer. Donc c'est parti, je vais me concentrer. Et puis on va essayer de faire passer ça au niveau 1. Ça m'étonnerait qu'on y arrive du premier coup. Donc bon, c'est pas grave, mais bon. On va quand même commencer, on va déjà mettre du x2. Allez, c'est parti.
c'est chaud, franchement c'est chaud. Ça bug à moitié, donc bon, voilà quoi. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a une flèche qui dit une direction, et en gros, il faut taper dans cette direction, au niveau de la flèche, et normalement, ça fait aller plus vite la balle. Seulement, vous voyez, là par exemple, j'ai tapé dans la direction qu'il fallait, et ça bug tellement leur truc. Tu vois, là, hop, j'ai fait comme il faut, et pourtant, ça fonctionne pas. Donc il y a des fois, c'est extrêmement chiant comme c'est bugué, ça m'énerve, c'est un truc de fou. C'est super chiant parce que du coup je perds plein, je pourrais aller dans les 400 scores et tout. Qu'est-ce que j'ai 200 parce que le truc il bug à moitié. Non mais bon, il y a un moment il faudra peut-être se foutre de notre gueule quoi. Putain, j'ai mis un x2, regarde ce que j'ai eu. On dirait que j'avais même pas mis le x2, tellement que j'ai eu que dalle. C'est de la merde de toute façon, c'est de la merde, ces trucs tout buggés là. Putain, ils augmentent la hitbox là et qu'ils cassent pas les couilles. Bon, on va se faire un peu du Pinkie Pie. Voilà, on va se faire des étoiles. Donc en x1, ça sert à rien de mettre du x2. Ok, donc hop. Voilà. Ok, donc hop. Est-ce qu'on va battre un score en live? Je crois que j'avais fait du 290 maximum, je crois. 290 maximum, ouais. Si je me rappelle bien. Ou un truc dans le genre. Putain, oh mais genre, mais... Pas me saouler. Putain, il y a des fois, hein. Oh là là. Des fois il bug, oui, c'est un truc de fou. Bon bah c'est sûr je vais pas voter le score, mais en tout cas je vais faire un très bon score quand même. Mais vas-y arrête de bugger, tu me saoules. Et voilà, il a bugué. Putain, pourquoi des fois il s'enlève tout seul là, c'est un truc de fou. Bon, on gagne vraiment que dalle quoi. Hallucinant. Parce qu'en fait plus on monte dans les étoiles, moins on gagne. Et plus on a un poney important, moins on gagne. ouais, ok. Donc c'est génial donc. Eh ben voilà, on peut faire Rarity, ben, magnifique. On va commencer avec Rarity, c'est parti. Bon, espérons que cette fois-ci ça bug pas. Ça pourrait être génial. Ok, vas-y, fous un coup de torse, si t'as envie. Hop. Putain, ben, vous voyez, regarde, je tape bien et tout, et pourtant ça bug. C'est extrêmement chiant. Voilà, hop, petit à petit. C'est quand même bizarre qu'au début, j'ai pas remarqué qu'il y avait des flèches quand même qui m'indiquaient une direction. C'est quand même bizarre. Voilà, nickel, bah ouais, ça c'est bon. Ça. Voilà, comme ça qu'on fait, tu vois. Et là, on fait un bon score, là. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et moi, je voulais ça tout à l'heure, j'étais en x2, ça me l'a pas fait. Bah non, surtout pas. Surtout pas. Voilà, là on fait du 400, ça passe très bien. Imagine en x2, c'est tombé quoi, tu pètes le score. Hop. Boum. Pas mal, franchement pas mal. C'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire de la mine, voilà, on va essayer de trouver une petite roue. Donc petite astuce, hein, si vous voulez gagner des roues. Cliquez sur les arbres, il y a un moment où il y en a un qui va vous donner une roue. Voilà, donc bon. Voilà, vous cliquez, puis il y a un moment où voilà. Donc vous pouvez même à chaque fois, si vous voulez farmer un peu de tout quoi, si vous voulez farmer par exemple la mine, vous voulez farmer la mine, vous faites ça, vous cliquez sur les arbres et tout, comme ça, et vous arrivez très facilement, en quelques minutes on va dire, en 2-3 minutes, vous arrivez à avoir les 4... 4 roues comme ça en cliquant sur les arbres et du coup ça permet de pouvoir quand même aller à la mine gratuitement et en très peu de temps et donc du coup bah hop vous allez à la mine, vous refaites le truc des arbres, c'est chiant par contre hein, toujours cliquer clac comme ça c'est très chiant mais malgré tout ça vous permet d'avoir assez rapidement les pièces, les 4 pièces et donc du coup bah, vous pouvez faire en continu la mine et tout donc c'est plutôt pas mal. Allez c'est parti, là on se concentre. On essaye d'avoir maximum de points. Voilà, donc, hop. À la limite, pour avoir les 3 gemmes aussi, ça peut être pas mal. Après, c'est pas énorme. C'est vraiment petit à petit qu'on gagne des gemmes dans le jeu, c'est un truc de fou. Voilà, petit à petit, on gagne des gemmes comme ça. Enfin bon, c'est extrêmement lent. Mais petit à petit, on y arrive quand même. Donc voilà. C'est. On va dire, c'est amusant. T'as pas besoin de jouer non plus super longtemps. Et puis, bah, tu t'éclates un peu. Voilà, c'est. Au moins tu te fais, tu vois, c'est pas tu rages pas sur jeu. C'est pas possible de rager sur jeu. Enfin, si, c'est possible, mais tu rages pas vraiment, quoi. Tu rages
Limite en rigolant, c'est enculé, je vais te niquer, dis donc. Tu vois, non, mais à la limite, tu vois, mais grand max, tu vois, c'est enfin, tu rages pas vraiment sur le jeu, donc à la limite, ça te fait chier d'avoir perdu. Ah oh, putain, j'aurais pu faire mieux. Oh putain, il me fait chier. Ah, oh, ça bug un peu. Bon, voilà, c'est voilà. Quel jeu ne bug pas, enfin bon, mais sinon, ça passe bien, franchement, ça passe bien, et c'est nickel comme jeu. Ça change des Call of et tout. Oh, je pense que si j'aurais pas ce jeu là, je pèterais un câble. Je pèterais un câble au cerveau et ferais « Oh, dégage. Tu joues plus aucun jeu, toi. » Ok, non, parce que bon... Bon, on va dire, ce jeu-là et la musique fait en sorte que je tiens le rythme tranquille ou pépère. Ah ouais, la musique, franchement, ça joue en... ça joue beaucoup, beaucoup. C'est énorme, quoi. En gros, on va dire, la musique m'empêche un peu d'être fatigué. Donc du coup, ça m'aide vraiment beaucoup, mais bon. C'est comment ça... Putain de fatigue alors, franchement, il n'y aurait pas la fatigue, ça serait magnifique. Voilà, donc du coup, par rapport au... Parce que si vous jouez au jeu et que vous me dites « Ouais, mais non, j'ai testé la mine, quand j'ai eu 2 gemmes, et ben au final, enfin, quand j'ai utilisé 2 gemmes pour me réanimer, au final, j'ai vu que 2 gemmes sur le parcours et pas 3 comme tu m'avais dit. Et ben en fait, c'est parce qu'il y a des fois, soit c'est très long, avoir le 3e gemme par exemple, ou même avoir le premier, déjà des fois c'est très long, voilà, bah oui je l'ai pas eu, bah oui, bah tu vois, genre ça c'est chiant, la hitbox de merde là, ça c'est, là je l'ai pas eu, bah oui, putain mais, oh, c'est un truc de fou, voilà, donc du coup, au niveau des 3 gemmes, c'est parce que des fois soit ça bug, soit c'est très long avant d'avoir le 3e gemme par exemple, ah ouais j'ai même pas assez pour reprendre, putain dommage. Donc soit c'est très long pour avoir le 3e gemme, soit ça bug, voilà, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Mais je tiens ce que j'ai dit, de pas beaucoup, hein, de 12 points, franchement. Ah oui, non, c'était pas des gemmes, c'était générosité. Ok, c'est autre chose. Ok, je me suis trompé. Voilà, bon, c'était un peu pourri, j'avoue, parce que je m'en fous complet. j'en ai quand même déjà pas mal, donc je m'en fous complet. On peut aller jusqu'à 150 000, hein. Ah, maintenant, ça va encore plus loin. Au fur et à mesure qu'on avance, on peut aller encore plus loin. C'est très chiant. Voilà, donc je maintiens ce que j'ai dit. Hein. Dès que vous commencez la game, il y a 2 gemmes sur qui spawnent, en fait, que vous pouvez récupérer. Si vous utilisez 1 gemme pour vous réanimer, ça enlève les 2 gemmes. Imaginons, vous perdez vraiment dès le début, avant même d'avoir rencontré un seul gemme. Et eh ben les 2 gemmes qui ont spawné parce que vous avez commencé la mine, et eh ben hop, ça s'enlève et ça les remplace par 2 gemmes que ça remplace par 2 gemmes parce que vous vous êtes réanimé grâce à 1 gemme. Voilà, donc après, si vous avez 2 gemmes, enfin si vous vous réanimez grâce à 2 gemmes, là ça fait spawner 3 gemmes. Et par exemple, si vous mourrez avant même d'avoir vu les 2 gemmes, enfin avoir vu 1 gemme de quand vous êtes réanimé avec une seule gemme, et ben ça les enlève celle-là et ça les remplace par les 3 gemmes de quand vous êtes réanimé avec les 2 gemmes. Voilà. Donc c'est pas par exemple vous réanimez avec 1 gemme et là vous mourrez direct derrière, vous réanimez avec 2 gemmes, vous aurez 5 gemmes sur la map. Non, vous aurez que 3 gemmes et puis voilà. Donc du coup, si vous commencez la game, vous avez 1 gemme. Enfin, vous avez 2 gemmes qui spawnent. Si vous vous réanimez avec 1 gemme, vous avez 2 gemmes qui spawnent. Si vous réanimez avec 2 gemmes, vous avez 3 gemmes qui spawnent. Donc, voilà. Donc, jusque-là, vous êtes gagnant. Par contre, si vous réanimez avec 4 gemmes, là, il n'y en a que 3 qui spawnent. Donc, vous êtes forcément perdant. Donc, ça sert à rien de faire avec 4 gemmes. Ça sert strictement à rien. Avec 1 gemme et 2 gemmes, vous êtes plutôt gagnant. Mais avec 4 gemmes... pas du tout. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi à chaque fois je mets 1 gemme, après je mets 2e gemme, et puis comme ça au moins je sais de toute façon derrière je serai plutôt gagnant, enfin si j'arrive à récupérer les gemmes et tout. Donc ça passe bien. Ce qu'on va faire, on va se faire un petit dernier on va se faire un petit dernier jeu vite fait. Lequel on va se faire, on va se faire du Rainbow Dash. Ouais, personnellement je m'en fous. Donc on va faire du Rainbow Dash, c'est parti. On va essayer de faire péter score, puis après on va se quitter, parce que moi ça durera pas trop longtemps la vidéo. Oh, à la limite on va mettre du x2, ça va bien faire plaisir ça. Et puis voilà, hop là, donc... donc normal, hein, y a pas non plus extrêmement de choses à faire.
sur le jeu, donc c'est normal, c'est parce que on augmente vraiment tout doucement. Donc voilà, mais petit à petit on évolue quand même, et puis donc ça peut être quand même sympathique d'évoluer ensemble comme ça, malgré tout, voir un peu les changements, voir ce qu'on peut faire. Putain, oh vas-y, mais tu vas le mettre ton putain de machin, mais ouais, sérieux, waouh, voilà, putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse péter score si tu bugs à moitié là, voilà, tu vois, j'ai mis dessus, mais non, ça bug, c'est énervant quoi, c'est un truc de fou. Regarde, hop, voilà, là, voilà, ça c'est ça que je veux, moi. Ok, voilà, ça va plus vite. Et on gagne encore plus de points. Bon, on n'a pas gagné énorme, dommage. En fait, c'est bizarre, hein. Je mets un x2, bizarrement, ça fonctionne plus, quoi. Je mets un x1, ça fonctionne tranquille. Je mets un x2, ah là, par contre, ah là, ça fonctionne plus. Ah non, là, on se fout de ma gueule. Tu vois, non, mais bon, c'est chiant, quoi. Tu vois, c'est 504, là, limite, j'aurais pu les faire en x1, tu vois, tranquille. Donc, fais pas chier, quoi. Enfin, c'est chiant, c'est extrêmement chiant. Ok, bon, bah, c'est génial. Donc là, on a elle là, mais on l'a pas encore niveau 2, malheureusement. C'est ben dommage. Bon, à la limite, allez, un petit dernier. On est des fous. Déjà, on retourne un peu Neville, vite fait. Hop, voilà, on récupère tout ça. Ah oui, en fait, j'ai libéré aussi cet endroit. Voilà, donc il nous reste plus que un. Non, putain, arrête. Putain, n'utilise pas ça, là, j'en ai besoin. Et deux, bah, même trois. Donc il nous reste trois endroits à libérer. Pour atteindre la vérité, là, le truc de vérité, de je sais pas quoi, enfin bon, Applejack quoi, le bijou d'Applejack, le machin, on s'en bat les steaks, tu m'as compris. Ok, alors voyons s'il n'y a pas autre chose, quelqu'un d'autre qui peut aller, ah ouais, on peut pas, dommage. Voyons s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, non, lui il est loin d'être, elle est loin, lui il est pas très loin, mais bon, c'est un peu nul ce qu'il a, parce que j'aimerais bien. Qu'il y ait quelqu'un qui soit. Ouais, tu vois, qui ait une deuxième étoile, tu vois le délire. Deuxième étoile, est-ce que lui. Non, il a déjà deux, lui. Non, pas lui, il est loin d'avoir la deuxième étoile. Loin d'avoir la deuxième étoile. Ouais, bah lui aussi. Bon. Et ben, on va faire. Lui. On va le faire en x2. Et puis, bon, on verra bien ce que ça donne. Bah, ouais, ok, bah, c'est parti. Si on a les sous, hein, on en profite un peu. Allez, hop, tac, 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 nickel. Voilà, donc là, on va se quitter, hein. Comme ça, au moins, la vidéo durera pas non plus super longtemps. Voilà, nickel. Vous voyez, petit à petit, on augmente les poneys, tout ça, vraiment, c'est le but du jeu, hein. C'est d'aller petit à petit augmenter les poneys, augmenter de niveau aussi, petit à petit. Et voilà, donc ça, ça nous permet un peu d'augmenter et de pouvoir faire notre propre ville sur My Little Pony. Donc ça, c'est super génial. Ok, donc hop. Si je peux avoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Eh bah, va te faire enculer. Ok. Ouais, en x2. Est-ce qu'il y aura assez? Attention. Bah, pas du tout. Non, pas du tout, du tout. Bah, la prochaine fois. La prochaine fois, il y aura assez, à mon avis. Voilà, donc hop, on met ok. Et puis voilà, donc bon, bah voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Personnellement, comme d'habitude, moi, j'aime bien. C'est toujours aussi délirant. Alors juste, donc ça c'est du rouge. Ok, hop. Hop. Allez, voilà. Nickel. Voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis, bah voilà. Allez, ciao tout le monde.